Alors, nous sommes à la cellule isolée. Donc, c'est en Nécrolimbe, juste après avoir tué le premier boss et juste avant Godric le greffé. Je me suis mis là pour vous montrer une petite astuce concernant le nombre de runes que vous pouvez gagner par combat. Alors, je vais vous montrer comment gagner 20% de runes en plus par ennemi que vous allez abattre. Alors ça a l'air de rien, mais si on prend ma vidéo précédente qui concernait le dragon Exiquès le putréfié, ça ramenait 38 000 runes. Et avec cette astuce, vous n'avez pas 38 000 runes, mais vous en avez 45 600. Là, c'est déjà autre chose. Voilà, ça correspond à 20%. Alors, je vais vous montrer. On va aller attaquer le monstre là, tout simplement. Je vais le régénérer parce que j'ai fait des tests avant. Donc, on va le faire revenir. J'ai pris cet endroit-ci parce qu'il y a un géant qui est facile à tuer et voilà quoi. Comme ça, on peut tester. Vous allez voir quand je l'aurai tué. On gagne 1210 runes. Donc 1210 runes, retenez bien ce chiffre. Et maintenant, on va le régénérer. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va équiper un objet que je viens de trouver dans une de mes vidéos précédentes. Je ferai un lien vers cette vidéo. Elle sera au tout début de la vidéo ici. Donc, on va faire ça. On va prendre équipement, on va prendre les talismans, et je vais remplacer l'icône de Radagon par le scarabée doré. Le scarabée d'or. Le scarabée d'or. Voilà. Et on va aller tuer le même monstre. Voilà, c'est parti. Le même mob. C'est facile de comparer. Et qu'est-ce qu'on voit? On gagne 1452 runes au lieu de 1210. Et si vous faites 1210 fois 1,20 pour faire 20%, ça vous donne 1452. Donc vous gagnez 20% de runes en plus par ennemi tué. Voilà. Donc pensez-y quand vous faites du farming, ça vaut vraiment la peine. Pensez-y si vous tuez un gros dragon ou un gros monstre unique qui rapporte beaucoup de runes, ou un cavalier crépusculaire, ça vaut la peine, hein, parce que quand vous tapez du 38 000, vous arrivez à du 45 600, c'est quand même plus de 7 000 runes gagnées très facilement en faisant rien, quoi. Ce qui correspond quand même à pas mal de farms si vous voulez farmer. Donc voilà, c'est la petite astuce du jour, et je viens de trouver ce scarabée en explorant la grotte désertique, je pense. Je crois que c'est ça le nom. Je peux vérifier si c'est la grotte désertique dans mes vidéos. Non, la grotte désertée. Voilà, c'est la grotte désertée. Et il y a des vidéos sur la chaîne. Ce sont les dernières vidéos. D'ailleurs, la vidéo s'intitule Grotte désertée, trouver le croc venimeux et le scarabée d'or. Et c'est le scarabée d'or qu'il faut équiper pour gagner beaucoup plus de runes. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Je vous dis merci et à bientôt.